Eh bien salut à tous, ici SuperMusée63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Bejura Souls. Et aujourd'hui les amis, des news sont tombées encore une fois pour le deuxième round de l'anniversaire. Et comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce qu'il y aura pour la partie 2. Du coup, c'est parti. Alors voilà, 6 ans, Bejura Souls, deuxième round. Et normalement, ils ont écrit un troisième round et aussi prévu plus d'informations prochainement. À bientôt dans Bejura Souls. Du coup, c'est pas encore terminé les amis. Il y aura un troisième round, mais qu'il y a un portail particulier, je sais pas, je pense pas qu'il y aura d'autres portails, mais le troisième round à mon avis ça va toucher au niveau des bonus de co, au niveau plein de trucs de farm, etc, etc. Mais à mon avis, ouais, normalement pas de portail, mais ils peuvent nous surprendre, Kelab. Ouais. Bon, pour ceux qui ne savent pas, demain, nouveau portail à 9h jusqu'au 13 août à 9h. Du coup, j'espère que vous avez assez d'orbes pour aller poule parce que c'est assez pas mal. Bien évidemment, des packs 6 ans hors 2. Pour ma part, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse regarder par vous-même les packs. Mais voilà, il y a un pack 6 ans hors 2 et un pack 6 ans 2. Un autre pack support événement. Et voilà, on a enfin des news concernant à la tour des 6 ans. Mais bon, c'était sûr qu'il allait arriver le 5 août. Maintenant, on sait que la tour des 6 ans va arriver le 5 août à 9h jusqu'au 25 août à 9h. Parfait pour se refaire des orbes. Pour le deuxième round, il y aura une quête coop spéciale 6e anniversaire. Et on voit qu'on peut gagner un ticket 5 étoiles. Du coup, à pas laisser, mais aussi un petit cône 5 étoiles. Du coup, 125 orbes gratuitement si vous l'avez pas, si vous l'avez jamais eu. Parfait. Mais par contre, ça va arriver bien plus tard. Ça va pas arriver dès demain. Ça va arriver le 10 août à 9h jusqu'au 31 août à 9h. Bien évidemment, la bannière va être accompagnée d'un nouveau event à points. Bien évidemment, à partir de demain à 9h jusqu'au 16 août à 9h. Il y aura des ordres spéciales 6 ans deuxième round. Par contre, ça va commencer le 10 août à 17h jusqu'au 31 août à 17h. Des ordres spéciaux sont disponibles durant la période. Complétez-les pour gagner des récompenses. Alors, on a battre 3000 ennemis pour récolter 10 orbes, terminer une quête coop ou un raid 50 fois pour récupérer un ticket de loterie accessoire 4-5 étoiles, et terminer une quête coop 70 fois pour récupérer 20 orbes, et si vous complétez ces 3 orbes là, vous allez récupérer 40 orbes spirituels. Du coup, à ne pas laisser, il faut aller les récupérer, mais encore une fois, c'est pas demain, mais le 10 août à 17h que ça va commencer. Bien évidemment, chaque mois, des foires de renforcement, mais les amis, je sais plus c'était quand quand ça se termine le x2 des popos, mais à mon avis ça se termine demain. Du coup, allez farmer, c'est normalement c'est le dernier jour aujourd'hui. Si vous manque des popos à farmer, c'est aujourd'hui qu'il faut tout farmer. Du coup, n'hésitez pas à aller farmer tout ça. Des fois renforcement à partir du 2 août à 9h jusqu'au 31 août à 9h. Voilà, il y aura les doubles de matériaux, etc. Et on commence par les cristaux, gemmes et les larmes quantité x2 à partir du 2 août à 9h jusqu'au 8 août à 9h. Le 8 août à 9h jusqu'au 16 août à 9h, on aura des tomes, des poudres, chance obtention x3. Ça sera pas quantité x2. Vous aurez plus de chances de choper des boucles et des poudres. La même chose pour les rubans, c'est la même chose. C'est pas de la quantité, mais avoir plus de chances d'en choper. Le 16 août à 9h jusqu'au 23 août à 9h, vous aurez des Ogyoku. Là aussi, c'est pas quantité, c'est avoir plus de chances x5. Volonté du Ogyoku, la même chose, plus de chances x5. Et du 23 août à 9h jusqu'au 31 août à 9h, les cristaux spéciaux quantité x2. Ça, c'est pour mieux farmer les cristaux pour les persos déchaînés si vous avez pas mis. Et il y a un questionnaire spécial 6 ans à partir d'aujourd'hui, là où je vous tourne la vidéo, elle est disponible, questionnaire. Jusqu'au 31 août à 9h, et vous avez un petit questionnaire, et si vous répondez à leurs questions, et vous allez recevoir 10 orbes spirituelles. Du coup, je vous invite à le faire, à ne pas laisser. Et voilà, du coup, voilà, il n'y a que ça comme news pour le deuxième round. C'est un peu dommage parce que, surtout pour la bannière Safui, parce que rappelez-vous que pour le premier roman avec Tokinada et Ikone, à chaque fois qu'il y a une nouvelle bannière roman, et il est accompagné bien évidemment un event à point. Ok, mais aussi l'histoire. Mais que là, on n'a pas une nouvelle histoire pour récupérer plus d'orbes. Du coup, c'est un peu bête. Du coup, voilà, c'est un peu dommage qu'ils ont pas mis un nouveau chapitre de Safui. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, ils l'ont pas mis. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant pis, on verra pour les autres bannières Safui.
Hein, voilà, on verra bien. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de votre part. Et lâchez vos commentaires, vos avis de ce deuxième round, tout simplement. Et on se dit à très très bientôt, comme d'habitude, sur Bulge Brave Soul. Et merci de m'avoir regardé, et tchuss.